Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au studio 411 pour shooter avec le GFX 50S II de Fujifilm. Voilà, on va vous montrer comment l'utiliser dans les conditions donc de studio avec toutes les particularités qu'apporte le grand format. Avec son capteur grand format de 51,4 mégapixels, l'intérêt du Fuji GFX 50S II en studio est tout trouvé. Il va en effet bénéficier de meilleures couleurs, d'une meilleure tonalité et d'une plage dynamique exceptionnelle. Rajoutez à cela une résolution ultra poussée pour pouvoir retoucher vos photos plus facilement, mais aussi pour faire de très grands tirages, pour une utilisation publicitaire ou encore pour du pack shot. Niveau colorimétrie, le boîtier intègre pas moins de 19 simulations de films avec lesquelles vous pourrez jouer selon vos envies. En plus des modes PASM classiques, le boîtier bénéficie de 6 modes entièrement personnalisables. Et à l'inverse des boîtiers de la série XT, vous trouverez deux molettes elles aussi personnalisables ainsi qu'un écran de contrôle pour rester le plus efficace possible lors de vos shootings studio. Pour plus de simplicité, j'ai tout simplement branché le GFX à mon ordinateur via un câble USB afin d'avoir un rendu optimal sur écran, ce qui me permet de montrer les photos directement à mes modèles. Ça me permet aussi d'enregistrer mes photos directement sur l'ordinateur sans passer par la carte SD. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le GFX 50S II ainsi que le 35-70mm sur notre site photocinecomedy.com, mais aussi dans notre point de vente Photocomedy à Montpellier. Le produit est disponible en prêt jusqu'au 4 septembre, donc n'hésitez pas et venez franchir le pas du grand format.